Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une tarte que j'apprécie énormément, titulée la brésilienne. Je pense qu'il n'y a pas de mots pour exprimer le bonheur de chaque bouchée de ce superbe gâteau. Je vous laisse découvrir la préparation. Commencez par diluer la levure dans le lait tiède avec une pincée de sucre. Ajoutez le beurre à notre farine et sablez. Creusez un puits au centre et versez la levure diluée, l'œuf battu et le sucre. Et commencez à pétrir votre pâte pendant 10 minutes. Couvrez avec un linge propre et laissez lever une heure à température ambiante. Chauffez votre lait avec la gousse de vanille après l'avoir bien raclé à l'aide d'un couteau. Passons à la deuxième étape. Là, on va attaquer la crème pâtissière. Pour cela, mettez le lait à bouillir avec la vanille. Cassez les œufs et séparez les blancs des jaunes. À l'aide d'une spatule, mélangez bien les jaunes avec le sucre et la maïzena jusqu'à obtenir une masse homogène. Versez un tiers du lait chaud sur la préparation tout en mélangeant à l'aide de votre spatule. Transvasez dans le reste du lait chaud et faites cuire à feu modéré en mélangeant. Une fois votre crème pâtissière épaissie, mettez-la dans un plat recouvert de papier film et laissez-la refroidir. Et là, je vais retravailler un peu la pâte puis l'abaisser à l'aide d'un rouleau.
Je pique ma pâte avec une fourchette et je laisse lever encore une fois 30 minutes. J'étale ma pâte dans mon moule en silicone. Maintenant, si vous n'en avez pas, chemisez votre moule avec une feuille de papier sulfurisé et couvrez avec du poids. Ça peut être des billes de cuisson, des haricots secs. Comme vous voyez ici, j'ai utilisé un moule et je l'ai bien rempli d'assiettes pour justement empêcher notre tarte à gonfler pendant la cuisson. Faites cuire à blanc pendant 15 minutes à mi-hauteur dans le four préchauffé à 180 degrés. À l'aide d'un robot électrique, fouettez la crème entière jusqu'à consistance ferme en y incorporant progressivement le sucre. Troisième et la dernière étape, étalez uniformément la crème pâtissière sur le fond de tarte. Et pour finir, répartissez votre crème chantilly sur la tarte, puis saupoudrez de brésilienne et sucre glace. Placez votre gâteau au réfrigérateur pendant 1 à 2 heures minimum avant de le déguster. Voilà donc la présentation finale de mon gâteau. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. Et si vous voulez plus de recettes, n'hésitez pas à me rejoindre sur ma page officielle Facebook Cuisine Tessie Gourmandise et sur mon propre site www.tessiegourmandise.com. Voilà donc je n'ai qu'à vous souhaiter bon appétit et à très bientôt j'espère.